Information importante, parce que le CNRD, après leur forfaiture, ils veulent maintenant étouffer l'affaire, tromper le peuple de Guinée. Mais tant que nous, les activistes, nous sommes là, malgré les médias fermés, vous n'allez pas pouvoir endormir le peuple de Guinée. Depuis hier soir, les poutistes ne font que appeler à Madiana, à Siguiri, à Kankan. Je parle de la Haute-Guinée. Ils sont en train d'appeler pour endormir les consciences qu'il ne faut pas que les gens vont écouter ce que les blogueurs sont en train de dire. Le CNRD, vous-même, vous êtes tombé dans votre propre piège. Ce n'est pas moi, Damaro. Ce n'est pas Benito, ce n'est ni aucun des activistes qui a arrêté Sadiba. Malgré que ce monsieur vous a aidé lors du coup d'État et il était le chef d'État-major des forces armées de Guinée. Donc, il faut tromper les sages pour dire que monsieur Sadiba est mort d'une mort naturelle. Mais c'est très sympa, hein? Kankan Mobalu, excusez, je vais expliquer un peu à Malinké. Et Anna Mobalu, CNRD Molu, Aliaka Kamisa Susulawa Alma, Ko Général Sadiba Alala Hinala, Kwasani, mort naturelle, Alivia Labe, Al-Katale Katana et Kassa, Kakia torturé, Kwalie via la Kun, Kwalie via la présence Fakonde Kun. Quoi, Annie Présalfa, qu'on ait fait qu'à Benkoma, qu'on a coulé ta que bandiké Mamadi Doumbouya. Sadiba qui ba ou lema. Parce qu'à Kalon, Aluka Djamfa Djonamike, Beka Aluka aux conséquences. Donc, à qui ba ou lema. Aluka qui est forcé qu'à torturer Mike, ou le cani Sadiba Sataï. Donc, les messages qu'on vous envoie, alliés messages sur la voilà, c'est des mensonges. Alou le Assani, Alou le Boro. Et, quelqu'un qui est mort à Loukoko depuis le 22. Mobasuya Oyesa. Kalotre Mwanifla. Fone Bani Kumala Kunu. Ne ba. Infor. Asako. Leri Lourou. Information Bola. Mais tellement que al panikeni. Même à la rapport. Quand vous lisez très bien le rapport, vous sentez que c'est des menteurs via Fola Loulé. Alouka Fouale. Kake Aloussaoye. Ba quoi trem. Atremike. Vous savez, Sadiba, c'est un militaire assermenté, a guéri. Kosuyao a préféré aller ça dans l'honneur. A bra erreur que je suis écrit. A bra erreur que. Bandike Mamadi Doumbouya bra ici, Jamana, la Guinée sera si. Bebra la Maloyabi. Donc Sadiba a préféré la mort. Ça, c'est le signe des vrais soldats. Ce que Sadiba a fait, c'est le signe d'un vrai soldat. L'erreur, on peut dire une fois, mais tomber deux fois. Les voyous ont voulu le pousser. Donc, Kankan Mobalu, Haute-Guinée Mobalu, Kafualignene, les messages qu'on vous envoie, c'est faux, allié vialé là. Alou le Kassadiba Fouadi. Bekaye, Alouani Sadiba Komike. Sadiba Tunka Kafoua. Alouana Abra attaqué la Lomina. Sadiba Kibouri Minke. Alou Tunka Kafoua Oulone là. Mais franchement. J'ai vu des mamans aujourd'hui ici à Philadelphie. Oh Lord, elles ne parlent pas de la politique. Je vous jure qu'elles ont pleuré. Ces mamans-là ont pleuré. Il y a de ces vérités, je ne dirai pas aujourd'hui parce que je ne veux pas créer de problème. Mais franchement, j'ai pleuré aujourd'hui pour Sadiba. Mais il faut que les gens expliquent à nos parents. Il faut que les gens expliquent à nos parents. Parce que le CNRD aujourd'hui, ils sont tombés dans leur propre piège. Leur coup d'État, leur transition aujourd'hui est mis à nu. Malgré que les gens ont dit et ne tuez pas Sadiba, les gens ont interpellé, ils n'ont pas compris. Ils l'ont fait. Donc, il faut sensibiliser nos parents sur ça. C'est pourquoi je vous ai dit ce coup d'État, ce n'est pas une affaire de Malinké, de Peul, de Soussou, de Forestier. C'est des voyous, ils font tout pour leur propre intérêt. Mais je dis le CNRD, vous vous fatiguez. Altesse fausse les Kalaboutou, population Temikrama. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde.
bi molu sini molu jeteni mais anya wamato vous savez Ismaël Condé, je ne voulais même pas lui donner trop d'importance sous l'art, celui qui était l'ancien maire de Matam. Grâce au RPG, il est devenu maire de Matam et nous avons vu son ingratitude. Il est parti dans l'UFDG et on a vu comment il s'est débarrassé de l'UFDG. Ce soulard de Ismaël Condé qui a raconté de n'importe quoi. Malgré, parce que il faut que Paikou s'arrête. Des fois, je te dis, il faut te ressaisir, il faut sortir dans l'émotion. Paikou, il faut sortir dans l'émotion. Tu as commencé à chanter. Un artiste appelle à la paix. Un artiste, c'est un pacificateur. Paikou Sare, c'est-à-dire, je vous ai toujours dit, sortez dans l'émotion. Vous avez dit ici que c'est parce que ça, qu'on s'est hacké de Selou Dalé, que Sadiba est parti pour faire sortir Selou. Je vous ai dit souvent, c'est vous qui faites que les gens se nervent. Ils vont venir attaquer Selou Dalé. Ils vont attaquer vos leaders. Donc, on va dire aussi que ceux qui ont applaudi le coup d'État, c'est hacker du président Alpha Condé qui est sorti. C'est pourquoi ils ont cassé chez Selou Dalé. Je vous ai dit, réfléchissez. Sortez dans l'émotion. J'ai un grand respect pour Selou Dalé. C'est lui qui a été victime. Le président de l'UFDG. C'est pourquoi je vous dis, vous qui pensez que la politique, c'est la religion, là, je vous ai dit de faire doucement avec la politique. Allez-y voir le message de Selou Dalé. Vous allez encore le respecter. Quand je vous dis souvent, ceux qui ne connaissent rien en politique, de vous taisez-vous, parce que vous allez énerver les gens. Paikou Sare, il y a de ces messages, gardez pour vous-même. Gardez pour vous-même, si vous ne pouvez pas compatir. Combien de militants de l'UFDG ont compati? Mais comme s'il y a certains qui se disent, ils sont communicants, ils ne peuvent pas changer. C'est-à-dire, ils sont toujours dans l'émotion. Allez-y sur la page de Selou Dalé. Vous allez voir. Vous qui êtes en train de dire, vous défendez Selou. Et vous voyez le message de Selou Dalé. Ça veut dire que vous et Selou, vous n'êtes pas dans le même esprit. Je vous ai toujours dit. C'est vous qui faites qu'on déteste vos leaders. Si vous communiquez bien, là, les gens vont aimer vos leaders. Mais tant que vous êtes dans des communications bidons, à semer la haine. J'espère que Paikou Sare, tu sais lire en français. Tu vas aller lire le message de Selou Dalé. Ou s'il ne sait pas lire, il faut que des gens lui traduisent ça en bon poula. Comment l'homme peut être borné l'amour de quelqu'un? Vous allez dire, vous allez vous réjouir. Donc, je demande à ces gens-là, mettons balle à terre. Si nous voulons faire partie ces voyous-là, je l'ai toujours dit, il y a eu des hauts et des bas. Que ça soit le pouvoir du président Alpha Condé, il y a eu des hauts et des bas. Que ça soit l'opposition, il y a eu des hauts et des bas. Nous devons nous donner les mains aujourd'hui. C'est ce pays qu'ils sont en train de détruire. Ils ont commencé par les leaders du RPG. Ils sont venus sur les leaders de l'UFDG, sur UFR, sur tout le monde. Mais si nous nous donnons la main, ces voyous ne représentent rien. Mais c'est parce qu'on est divisé. C'est parce que parmi nous, il y a des bornés qui ne comprennent pas le sens de l'unité. On vous dit toujours, c'est l'union qui fait la force. Pourquoi vous allez continuer à véhiculer des messages qui nous divisent, des messages de haine? Et si des gens se comportent comme vous, ils vont aller s'asseoir, vous allez voir tout de suite. Aujourd'hui, le CNRD, au sein même des camps aujourd'hui, c'est l'indignation. Tout le monde a compris que oui, c'est eux, ils l'ont éliminé. Tous les militaires aujourd'hui, je le dis, 99% de l'armée aujourd'hui, ils sont indignés. Mais je vous ai dit, c'est le pouvoir du peuple. Si nous sommes unis, ces voyous ne peuvent rien. Maintenant, je reviens sur le cas de ce soulard de Ismaël. Je vais juste lui faire un avertissement. Vous savez, moi, Damaro, je ne suis pas dans l'émotion, quoi. Parce que je sais qu'il ne représente absolument rien. S'il veut un poste, il n'a qu'à l'avoir avec Doumbouya. Parce que Ismaël Condé n'est qu'un simple soulard. Je ne vais même pas revenir sur ces messages. Je ne vais pas lire ici. Parce que ces genres de propos, des soi-disant personnes qui se disent cadre de ce pays, moi je ne peux pas tenir de tels propos. Mettez les cœurs partagés. Donc, Ismaël, fais attention. Tu sais déjà, hein, ça je te le dis, fais attention.
tu connais ton selfie dans ton lit. Je te dis de faire doucement. Tu vas faire les gens, ils vont te détruire, ils vont t'humilier encore. Parce que si tu ne peux pas fermer ta gueule, tu étais avec le RPG, tu es venu avec l'UFDG. Tu étais là, on t'a jeté aujourd'hui. Si c'est à travers, sur la mort de quelqu'un, que toi tu vas te faire aimer auprès du CNRD, tu peux fermer ta gueule de cela. Ismaël Kone, tu peux fermer ta gueule de cela. Tu vas pousser des gens, ils vont t'humilier. Ta carrière, tu seras mis à zéro. Nulle part, tu pourras faire quoi que ce soit. Tu connais toi-même, tu t'es filmé. Tu le sais. Et tu continues, tu penses que les autres ont pitié de toi. Les autres ont pitié de toi. Toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Ismaël, toi, tu dois parler dans ce pays. Ismaël Kone, toi, tu dois parler dans ce pays. Tu n'as pas honte. Tu ne connais pas ton passé. Tu ne connais pas ton passé. Continue. Wallah, tu ne vas plus parler ici en Guinée. Il faut continuer seulement. Regardez-moi comment on appelle des soulards comme ça. La mort de quelqu'un. Même ceux qui étaient en train de dire, ah non, il a fait sortir tel. Même eux. Toi, tu avais dit que tu es parti dans l'UFDG. Voici le message de ce loup. Ok, attendez, je crois que voilà. Voici le message de ce loup d'Alain. C'est avec tristesse que j'ai appris par un communiqué du tribunal militaire de première instance permanent de Conakry, diffusé ce mardi 25 juin, le décès le 22 courant du général Sadiba, ancien chef d'état-major général des forces armées. J'adresse mes condoléances à sa famille, à notre armée nationale et à tout le peuple de Guinée. Puisse son âme repose en paix. Voici le message de Seloudale. C'est pourquoi j'ai dit aux brebis galeux, tous ceux qui passent tout leur temps, qui ne comprennent pas la politique, qui ne savent pas c'est quoi une république. Je vous ai dit, les cadres, là, nos cadres, là, que ce soit le président Fakonde, les Damaro, les docteurs Diané, les docteurs Kassori, et la Seloudale, les Sidia, ceux-ci-là se parlent comme des humains. Ils savent qu'ils sont tous des Guinéens. Mais nous autres qui avons très mal compris la politique, là, qui pensons que c'est une affaire d'ethnie, il faut que certains se ressaisissent maintenant, qu'ils arrêtent les messages de haine. Maintenant, comme je vous avais promis, vous savez, mon informateur, il m'a dit d'attendre la liste de beaucoup d'officiers, parce que quand je vais le faire tout de suite, il y aura beaucoup d'arrestations. Il y aura beaucoup d'arrestations. Donc, comme je vous l'ai dit, les jours à venir, il faut qu'on alerte les gens individuellement. Parce que quand on le fait de façon générale, quand on le fait ici, les voyous, voilà, ils savent quoi faire. Donc, c'est mieux qu'ils soient alertés individuellement. Mais je le dis, beaucoup de commandants aujourd'hui, beaucoup parmi vous, d'ici la fin de l'année. Parce que ça fait partie de leur plan. Fonike Mangue est sur leur liste. Beaucoup de journalistes sur leur liste. Même nous qui vous parlons là, des gens ont déjà décollé de Conakry. Ils sont aux États-Unis. Mais pour nous, c'est très simple. Benito et moi, nous allons porter plainte. Et nous allons dire, ils n'ont qu'à contacter l'ambassade de Guinée, l'ambassade des États-Unis en Guinée. Tous les voyous, les délinquants de Amara, parce qu'ils ont compris qu'ils ont fait taire les médias et que nous, nous sommes là toujours. Et nous exposons leurs secrets devant le monde. Donc, il faut venir nous éliminer. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas peur. Hein. Moi, je suis préparé. Je suis préparé sur tous les plans. Et c'est pourquoi j'ai dit aux voyous, aux délinquants de Amara, venez ici aux États-Unis. Moi, je ne vais même pas hésiter. Wallah, je ne vais pas hésiter. Mais nous allons porter plainte. Tous ceux qui sont venus, qui sont rentrés là, dans ces deux jours-là, vous allez vous expliquer autrement. Ils vont chercher à savoir
Pourquoi vous êtes venu? Vous êtes là, pourquoi? C'est vous qui allez rester dans l'affaire là. Oh Lord. Nous, on est là pour le pays. Vous, les maudits qui avez pris de l'argent, que non, vous pouvez nous éliminer, Benito et moi. Wallah, il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Moi, j'ai dit, Wallah, je ne vais pas me cacher. Je suis là aux États-Unis. Je suis là aux États-Unis. Préparez-vous très bien. Si vous pensez qu'on va abandonner le combat, là. Je vous ai dit, vous avez gâté deux de mes voitures. Vous avez payé mon colocateur. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Damaro ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Il ne travaille pas, il n'a pas de maison. Nanani, nanana. Mais le peuple écoute Damaro pour ce qu'il dit. Ce n'est pas ce que vous vous dites sur moi. Ça, ce n'est pas moi, ce que vous vous dites. Le peuple de Guinée là, a confiance en moi. Ce n'est pas vos mensonges, c'est-à-dire vos souhaits. Damaro, il ne travaille pas, il ne fait rien. S'il a dit nanana, c'est tel, tel. Mais je vous ai dit, les maudits, là, les délinquants qui sont venus là, vous allez rester. D'autres sont venus avant vous. D'autres sont venus avant vous, ils sont partis. Maintenant que l'affaire, ça devient sérieux maintenant, c'est vous les maudits qui avez pris l'argent, non? Que vous pouvez éliminer Benito ou Damaro ici aux États-Unis. Ah ouais, on est là. Voilà. Nous sommes là. Mais seulement, c'est très facile de vous détecter tous. Tous ceux qui ont reçu les visas, au niveau de l'ambassade, une fois que nous portons plainte, ils savent comment ils vont remonter les informations. C'est vous qui allez pourrir dans l'affaire. Parce que même l'ambassade des États-Unis en Guinée, même les services de renseignement ici, même la police, combien de fois j'ai porté plainte et mes dossiers sont là-bas. Vous pensez qu'ici c'est Kaloum? Vous pensez qu'ici là nous sommes à Kankan ou nous sommes à Zérékouré? Nous sommes sur le territoire guinéen, que vous, des voyous, à cause de l'argent, vous voyez aujourd'hui, après vous dites que vous êtes des militaires, vous voyez Sadiba, vous voyez l'armée guinéenne aujourd'hui, on est en train de détruire cette armée devant vous. Nous qui dénonçons, vous voyez que notre pays aujourd'hui, il n'y a pas de médias. Il n'y a pas de médias aujourd'hui. Moi, en tout cas, je dis à tout le monde, dormez tranquille. Moi, Damaro, je suis à l'offensive. Wallah, moi, je ne suis pas à la défensive. Je l'ai dit depuis que Mamadi a arrêté les cadres. Voilà. Maintenant, je vous informe encore, parce que moi, mes soldats sont toujours les meilleurs. Vous savez, mes éléments des forces spéciales, Mamadi a construit des prisons. Vous voyez, il y a plus de 12 bateaux qui relient aujourd'hui Conakry à Kassa. L'autre île là, je ne sais pas c'est Satoba ou Fatoba, quoi là. L'autre île, ils sont en train de construire des prisons. Il y a un élément des forces spéciales qui m'a remonté l'info. C'est-à-dire, l'idée de Mamadi, c'est détruire psychologiquement tous les Damaro, les docteurs Diané, les Kassouri. Il veut les détruire comme il veut rester. C'est-à-dire, quand ils vont finir, Fatoba, merci, m'a dit le Guinée. Quand ils vont finir, les Damaro, les docteurs Diané, tous ces gens-là. C'est pas la maison centrale où ils sont dit. C'est là-bas qu'ils vont les envoyer. C'est-à-dire, ils vont les détruire. Mamadi, où il est aujourd'hui, il est en train de survivre. C'est pourquoi quand les gens, d'autres disent, c'est nous qui rentrent, qui ne rentrent pas. Mais Mamadi, déjà, il sait qu'il a tué. Donc, j'informe. Si on ne se lève pas, merci pour ceux qui m'ont envoyé des stars là, merci à tout le monde. Si nous ne nous levons pas, Wallah, tous les Damaro, les docteurs Kassouri, tous ces gens-là, vont terminer comme Sadiba. Si les gens ne se lèvent pas, Wallah, Bilay, je vous dis, moi, je n'invente pas un élément de force spéciale. Un élément des forces spéciales qui me l'a dit. Moi, je n'ai rien inventé. Et ils savent quelle rotation ils font du côté de ces îles-là. C'est des camps de concentration. Depuis qu'ils l'ont dit hier. Non, mais j'ai dit, mais attends, nous sommes dans quoi? Aujourd'hui, les éléments des forces spéciales, il y a certains, il y a des nouveaux encore, qui sont en formation avec l'armée française. Il y a des gens actuellement qu'on est en train de former.
Mamadi s'en fout de l'armée guinéenne, ça je vous le dis. Tout son souci, on parle de justice militaire. Est-ce que Sadiba était dans la main de justice militaire? Ils ont pris Sadiba, ils l'ont envoyé à Kassa. Ils l'ont torturé comme ils veulent. Il n'y a pas de justice militaire. C'est juste le nom qu'on est en train de coller pour la justice militaire. Ils avaient déjà pris Sadiba, l'envoyé là-bas. Il est presque revenu, presque mort. C'est pourquoi ils sont allés faire un tour du côté de la maison centrale. Parce que ils savaient que s'ils le laissaient, tous les signes sur lui, les médecins, les gens allaient prendre des photos pour dire qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle comme ils veulent faire croire aux gens. C'est parce que nous avons donné l'information qu'ils ont été perturbés hier. Il fallait vite trouver quelque chose à dire. C'est-à-dire moi, pour me démentir. Est-ce que quand quelqu'un meurt sur le champ des gens comme ça, là, les raisons de sa mort sont déterminées sur le champ. Imaginez, ils disent le 22, 24, le 25. Vous voyez comment c'est des menteurs. Ni son avocat, ni sa famille, personne, aucun membre de sa famille n'est informé. Où est le sérieux? Vous dites que quelqu'un qui est mort, parce que moi j'ai dit hier, le temps dont j'ai fait ma vidéo, j'avais dit 5 heures avant. Donc les voyous sont sortis pour dire non, il est mort le 20, le 22, ainsi de suite. Tellement que c'est des menteurs. Tellement qu'ils ne veulent pas que ce que moi j'ai dit soit une réalité, c'est-à-dire à 100%. Mais vous vous êtes piégé vous-même. Vous avez montré que vous êtes des voyous. Quelqu'un qui meurt le 22, prenons ce que vous-même vous avez dit. Vous n'informez pas son avocat. Vous n'informez pas sa famille. Où est le sérieux? Eh, Allah, où est le sérieux? C'est-à-dire, vous voulez toujours faire de nous des menteurs, les blogueurs. Mais où est le sérieux dans ce que vous faites? Où est le sérieux? Donc, la famille dit à Fonike Mangue de marcher toujours avec des gens, d'être très vigilant, de faire beaucoup attention avec ses appels. Et d'ailleurs, c'est tout le monde, les officiers militaires, beaucoup de personnes, de faire beaucoup attention avec vos téléphones. Ce que vous allez dire, il faut toujours coder. Faites beaucoup attention. Utilisez, laissez les appels directs. Et les gens qui ont leur numéro populaire, quand vous échangez, laissez WhatsApp. Utilisez d'autres plateformes. Utilisez d'autres plateformes qui n'ont rien à voir avec WhatsApp. Parce que WhatsApp, il y a des numéros et il y a des mots aussi. C'est genre intelligence artificielle. Une fois que vos numéros sont repérés, il y a des noms comme Pivi, il y a des noms comme Sadiba, il y a des noms comme Alpha Condé, il y a des noms comme Doumbouya. Il y a des noms qui sont là-bas, il y a des noms. Une fois que vous dites ces noms-là, votre appel est directement alerté et ils vont écouter le système qu'ils ont mis là-bas. Donc, il faut bien coder vos messages. Il faut très bien coder. Il y a des termes, il ne faut pas les dire quand vous êtes sur... Les numéros dont je ne sais pas, ils ne peuvent pas détecter tous les appels. Hein, parce qu'on ne va pas traumatiser le peuple de Guinée. Ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Même les États-Unis. Ils ne peuvent pas détecter tout. Le système peut détecter, comme je vous ai dit. Genre système intelligence artificielle. Il y a des termes seulement. Quand vous l'utilisez, paf. Donc, ils vont capter. Mais je demande à tous ces militaires-là de faire beaucoup attention et les proches de l'autre. Les proches de ces militaires-là. Priez beaucoup, hein. Priez beaucoup. Priez beaucoup et informez. Moi, je n'ai pas le numéro de Fonike Mangue. Wallah, j'allais l'appeler. Mais tous ceux qui ont le numéro de Fonike Mangue, dites-lui de faire très, très attention. Je vous ai dit, ils veulent le liquider. C'est pas genre, ils vont l'attraper. Ils savent que Fonike Mangue aujourd'hui n'a pas peur de la prison. Il est à fond dans ce qu'il fait. Donc c'est pour créer, genre, le prendre pour dire qu'il a fait un accident. Il a fait crise. Vous savez, ça ne les dérange pas. C'est des gens qui ont tué. Et je l'ai toujours dit ici. Ils vont tuer pour garder leur pouvoir. Donc Fonike Mangue est la nouvelle cible du CNRD. Ils peuvent le prendre tout de suite ou le cogner. Donc, c'est pourquoi j'ai dit de faire beaucoup attention, de marcher avec des gens, de savoir quand est-ce qu'il doit sortir, de vraiment
surveiller ses pas actuellement. Parce qu'ils savent que d'ici la fin d'année, les gens vont se lever. Ils savent que c'est un acteur. Donc, alerte-lui au maximum et de renforcer encore sa sécurité. Ils peuvent l'empoisonner. Il y a les cyanures, il y a des poisons. Le CNRD qui a mis 15 millions pour acheter des appareils pour brouiller le système des médias. Et vous pensez qu'acheter du cyanure, c'est facile. C'est du poison. Ils vont te saluer, ils vont toucher ton corps avec, c'est fini. Ils vont te tuer. Tu vas mourir à petit feu. Ils sont capables. Je vous dis, c'est des bandits. De la manière dont vous voyez dans les films, bandits, c'est comme ça Doumbouya et son CNRD. Ceux qui sont dans leur... C'est pas tout le monde qui est dans leur esprit. Hein. L'État, c'est la continuité. Il y a des bons soldats aujourd'hui qui ont mal. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des administrateurs aussi qui ont mal. Mais ce qui reste clair, 90% aujourd'hui de l'armée guinéenne aujourd'hui, ils sont dessus de ces bandits-là. Donc, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, on se reprend demain. Voilà, les soldats, vous êtes alertés, beaucoup de commandants. Et comme mon informateur m'a dit d'attendre, parce que quand je vais donner la liste, ça va créer beaucoup de problèmes. Donc, on me dit d'attendre d'abord avant de publier la liste. C'est mieux qu'on va les alerter un à un. S'ils n'arrivent pas à les alerter un à un, beaucoup de commandants, je dis 90% des commandants aujourd'hui, sont sur la liste. Mais quand on va le faire, vous savez, donc je vais vous laisser.